Laisse-moi vous dire. Dans la marche chrétienne, le niveau le plus élevé, c'est le niveau de l'amour. Le niveau de l'amour. Amen. Hein? Pour que Dieu t'utilise puissamment, l'amour, lorsqu'il voit l'amour. Pour que Dieu te donne un don prophétique puissant, l'amour. Pourquoi? L'amour hein, envers Dieu, l'amour envers son œuvre, l'amour envers le peuple de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsque tu commences à jouer avec son œuvre, son peuple. Il n'aime pas. Dieu ne peut pas te donner un don de prophétie lorsque tu ne l'aimes pas. Lorsque tu n'aimes pas son œuvre et tu n'aimes pas son peuple, sa créature. Parce que s'il te donne un don de prophétie, tu vas diviser les gens. Tu vas voler la vie des gens. Tu vas les détruire. Dieu ne peut pas te donner la grâce de la délivrance, des démonstrations. La grâce est surnaturelle si vous êtes, vous n'avez pas d'amour. Dieu ne peut pas vous donner beaucoup d'argent si vous n'avez pas d'amour. Parce qu'il vous donne l'argent. Hein? L'amour envers Dieu, c'est savoir donner la dîme. Savoir obéir, soutenir les autres. Savoir soutenir son œuvre. C'est pourquoi plusieurs personnes n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas d'amour pour soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir les autres. Et Dieu ne donne non plus son argent. Amen. Hein? C'est ça. Dieu nous connaît tous. Il sait que si celui-ci, je lui donne. L'amour, d'abord la compassion. Vous savez, quand on fait, on exerce l'exorcisme ou la délivrance ici, on a cet amour. Afunguli, oui. Qu'il soit libéré, qu'il soit délivré. Tu es patient. Amen. Hein? C'est le niveau le plus élevé qu'un homme doit chercher à atteindre dans le royaume de Dieu, dans la marche avec Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? La deuxième clé ou chose à faire, l'obéissance. L'obéissance. Tout ce que Dieu nous donne dépend de notre obéissance. L'obéissance. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel et tu mets en pratique l'obéissance, lorsqu'il te dit fais ça, tu obéis. Amen. Hein? L'obéissance. Soutenir les autres, c'est un signe d'obéissance. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un signe d'obéissance. Devenir grand. Avoir la supériorité. Que ton champ soit béni. L'obéissance. Que votre corbeille ne manque rien. L'obéissance. Si vous n'obéissez pas. L'obéissance. Dis à celui qui est à tes côtés, obéis. Quel que soit le temps et les circonstances. Obéis. Et aime. La Bible dit le plus grand commandement, l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée et ta force. Voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu commences à aimer ton prochain comme toi-même, tu te donnes l'onction de la délivrance, l'onction prophétique, l'onction des miracles. Démonstration. Et Dieu ouvre les portes du bonheur, l'amour. Parce que quand quelqu'un aime son prochain comme soi-même, est-ce que tu peux accepter toi-même de marcher sans habit? Tu peux accepter toi-même de vivre sans manger? Tu peux accepter